Hello guys, bienvenue à ma chaîne YouTube. Ici, c'est votre page à vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti! Ici, on dérange. Ici, on s'amuse. Ici, on découvre. Et ne sois pas sorcier. Abonne-toi. Abonne-toi. Alors, là aujourd'hui, on va parler des généraux. Hein, les généraux de Dieu. Avec X et entre guillemets. D'accord? Donc, apparemment, il y a une guerre qui se déchaîne sur la toile entre les généraux de Dieu, ceux qui sont des généraux 4 étoiles, ceux qui sont des généraux 8 étoiles. Je ne sais même plus où mettre la tête. En tout cas, écoutons et voyons ce que ces généraux disent, quoi. Et puis, on voit, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et en tout cas, je vais vous dire à la fin ce que moi, je choisis. Et si tu ne t'abonnes pas, toi là, arrange ta joue, je te claque d'abord. Commence par t'abonner avant d'écouter la vidéo. Ciao, on y va. Nous avons mené un combat dans ce pays pour faire l'identification des pasteurs. Permettre à ce que chaque pasteur soit identifié est une carte. Tu n'as pas ta carte, tu n'as pas le droit d'exercer. Voilà quelqu'un qui vient de prouver par A plus B que par exemple, la carte pastorale ou bien la carte d'identification pastorale n'est pas la marque, est la marque du diable. Tous ceux qui disent ça, là, ce sont des plaisantins. Il n'y a pas un passage de la Bible qui dit que la carte d'identification pastorale, la marque, la bête. C'est dit n'importe quoi. C'est une carte, simplement, pour se présenter aux autorités en tant que serviteur de Dieu. Un point, un trait. Ça n'a rien à voir de particulier sur la foi et la doctrine que nous prêchons. Pendant que les autres parlent, les autres avancent quand même. Voilà. Ouh, ce matin, ça les vend d'une petite voiture. Yeah, 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 yeah. L'Éternel m'a béni ce matin. Le travail payé, mes amis. Voilà. Hier, on est venu me faire une offrande de 2 millions. Ce matin, le Seigneur m'a béni. Je passe d'abord à la banque comme ça. Pour aller déposer ça. Voilà. 6 bâtons chauds comme ça, tu es malade. Chaud. Il vient de vendre voiture. Chut, ne dis pas quelqu'un. Il vient de vendre voiture. Voilà. Chut, ne parlez pas. Il vient de vendre une voiture. 6 bâtons chauds. À bas le pasteur Marmagueur! Pasteur peureux, vautou babylonien, espèce marmailleur. À bas le christianisme alimentaire, les pasteurs marmailleurs, les grillés de la sud, les vendeurs d'olives, à bas des vendeurs de rubans rouges, à bas le pèlerinage en Israël, tous ceux qui se préparent à aller en Israël pour aller faire pèlerinage. Vous êtes des païens. La Bible dit Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Oui. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Vous chantez Jésus est ressuscité, vous partez chercher quoi dans le tombe. Allez-y, même temps dormi au cimetière, c'est mieux. Ouais. Bande de féticheurs. Tout enfant de Dieu qui avant sa mort ne touche pas la tête d'Israël pour comprendre les mystères, je doute de son salut. Notez, écrivez ça très bien. Ainsi à parler. Le révérend Makoso, tu ne peux pas me démontrer le contraire. Parce que je vais te parler de ta vie. Tu n'as pas 1 million dans ton compte. Donc mon ami, si tu adores le Dieu à qui appartient l'eau et l'argent, comment se fait-il que toi tu n'as pas d'argent? Il y a un dysfonctionnement, il y a un problème quelque part. Vous voulez réussir? Devenez des monstres. Pas de pitié. Pas de sentiment. Je vous dis un peu quelque chose. Les gens avaient en eux le sang et l'esprit de vol. De la délinquance et du banditisme. Mais comme un ciel ouvert, cela va être un objet de poursuite judiciaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils puent, le peuple aspire. Et ceux-là aussi sont appelés hommes de Dieu. Alléluia! Ce sont des bandits de grand chemin. Tôt, ça devient tôt. De tels moutons ne peuvent pas être dans notre bergerie et semer le désordre continuellement. L'huile que nous utilisons n'est pas composé selon l'art du parfumeur. L'huile que nous utilisons est de l'huile pour préparer salade. C'est pour le riz. Et nous tuons nos fidèles sans nous en rendre compte. Car la Bible nous enseigne, mon peuple périt faute de connaissance. Je n'ai pas peur de ce que j'ai dit. Et j'assume pleinement tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas un lâche. C'est pourquoi mon nom ne sera jamais associé au vol et au pillage du peuple, à la délinquance spirituelle, au banditisme et à l'escroquerie.
C'est pour cela un pasteur qui quitte cette terre, qui n'a pas vu Israël. Je crois en rien ce qu'il fait. Il y a des niveaux que tu me poses les mains et te demandes, as-tu déjà touché Israël? Non, ne me touche pas. Continuez vos faux trucs, vos deux là, vos faux trucs que vous racontez aux gens. Attendez, je vais aller chercher votre général, 8 étoiles, attendez. Celui qui croit que je suis en train de prêcher du faux et qui est intéressé, qui me rejoint dans la rue. Je n'ai pas besoin de fixer une date, un rendez-vous avec un individu. Non! Je ne suis pas votre ami pour fixer un rendez-vous et moi m'inviter à m'imposer ça. Je ne suis pas votre camarade. Ce que je fais là, ça vient de Dieu. Alors toi qui n'es pas content et qui penses que je mens, trouve-moi dans la jungle. Alléluia! Non. Moi, je ne viens pas dans la jungle, mon frère. Moi, je ne vis pas moi dans la jungle. Non. Oh my godness. Ça, c'est une mise en garde. Une mise en garde. Voilà. Je ne suis pas là pour m'amuser ce soir. Donc, je tiens en même temps à mettre en garde les petits enfants qui ne comprennent rien de la vie. Mon frère, j'ai déjà dit que toi, tu ne parles pas de la Bible. Parlons de la Bible là maintenant. Je parle avec mon esprit. Je parle avec mes couilles. Oui, on a compris, tu parles avec tes couilles. Mais parle alors. Tu es ma cousine de voler parce que ma cousine l'a une fois volé. Quelqu'un doit traiter ma cousine de faux parce qu'il a une fois fait du faux sur la personne. Mais tu ne peux pas te baser sur ton clitoris mal baisé parce que tout simplement tu es une vieille femme, sorcière. Les hommes ont levé ton caleçon à gauche, à droite, ils t'ont pas marié. Tu vas prendre ta frustration sexuelle parce que tu n'arrives plus à jouir. Venir sur les réseaux sociaux insulter les gens. J'ai mis la femme. Et j'ai dit, je vais te donner à deux chinois pour faire ta délivrance. Non, il allait porter plainte parce que ça là c'est maintenant. Il dit, va. Il dit, faut courir même pour aller porter plainte. Ta maman ou ton papa va t'apprendre à ne plus jamais venir insulter quelqu'un sur Facebook. Il y a des gens qui viennent vous insulter puis vous laissent. Moi, là, je suis et toi. Tu ne pas, il même bon. Tu ne pas, il même bas. Pour moi, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. On est dans le mouvement de la morsure. Tu me mords, je te mords. Je ne laisse pas pour moi Dieu. C'est moi qui règle mon barrage sur la terre. Jésus, là, quand il est arrivé au ciel, lui, on sait ce qu'on s'est dit. Il connaît qui gère bien son mouvement sur terre, qui parle et puis les gens se convertissent. T'es malade, t'as venu t'asseoir sur la terre. Puis on dit non, c'est pasteur, t'as venu une de ton vos nouvelles Jésus là. Faux pasteur, bonbon pasteur, bonbon est doux. Donc si ma cousine était un bonbon pasteur, ça veut dire qu'on doit le goûter. Parce que les enfants aiment bonbon. Oh, à cette allure là, on va pas parler. Parlons de Bible, mon frère. Parlons de la Bible. Vous asseoir, un père vous parle, vous allez venir discuter à ma cousine. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant vous jugez les chrétiennes, vous attachez, vous prenez pas à l'église. Oh, vous mougou. Vous mougoussez? Vous conjuguez le verbe mougou. On vous mougou. Voilà. Le maçon vient main. Le boutiquier vient main. L'autre vient main. Si chaque historiste veut parler ici, on va pas s'élever d'ici. Vous croyez que moi j'ai honte de quelqu'un? Moi je dois à personne. Voilà. Personne ne paye ma maison. J'en ai marre de voir des femmes souffrir. On les prend, on les maple à gauche, on les maple à droite. Le monsieur vient, non, je t'aime, je vais faire du sujet avec toi. Niam. L'autre vient dire non, je vais faire quelque chose. Niam. L'autre vient dire non, il vient dire niam. Oh Dieu, là, tu es là, c'est gâté sur toi. Tu n'as rien. Ton papa n'a rien. Ta maman n'a rien. Tu n'as même pas construit une maison. Comment? Quels sont les 10 commandements de la marmaille pour une femme qui est pauvre pour devenir riche? Quels sont les 10 commandements? Je connais. De la même manière, il y a les 10 commandements pour aller au ciel. Il y a les 10 commandements de la marmaille pour une fille qui n'a rien. Son papa n'a rien. Sa maman n'a rien. Elle n'est pas trop jolie. Mais elle veut se faire une place au soleil. Elle aussi, elle veut rouler dans une voiture comme Kim Kardashian. Ok, on a compris que tu ne veux pas parler de la Bible. Ok, on va aller chercher le général 8 étoiles. Au moins lui, il va venir nous parler, le général des généraux. Lui là, il va nous dire quelque chose. Roi tel que je suis, je ne suis pas qu'un apôtre hors classe. Je suis un roi. Un roi ne court pas. Vous avez d'ailleurs dit que vous êtes général. Je suis général. Des généraux sur terre. Nous sommes 7 généraux sur terre. Mmh. Il y a des hommes de Dieu sur toute la planète. Nous sommes 7 généraux sur terre. Et les 7 généraux sont d'Afrique subsaharienne. Oui. Il n'y a pas de généraux de Dieu ailleurs qu'en Afrique subsaharienne. Guy Parfait Songuet, avez-vous entendu parler de Dieu Nodor Kamdem? Oui, j'ai entendu parler de lui. Il n'est pas parmi les généraux que je connais sur terre. Ah bon? Je suis formel dessus. Il se proclame général. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit qu'il y en a un seul par pays. Il y en a 7 sur cette planète. Et au Cameroun, vous êtes le seul. Je suis le seul parce qu'il y en a un seul par pays. C'est comme ça. Que pensez-vous de Dieu Nodor Kamdem sur le plan religieux?
Je n'ai pas de jugement à opérer sur lui. J'ai observé qu'il y a quelques problèmes qu'il a. Il est dans un pays étranger. J'espère qu'il va résoudre ses problèmes à la justice et qu'il va aussi résoudre les problèmes à Dieu. Ce qu'il fait... Non. Ça c'est une ancienne vidéo. On va regarder celle qui est plus récente. Non. On va pas faire comme ça au général. Non. Qui sera président au Cameroun en 2020? Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est président, le futur président. Il faut d'abord qu'on dégage tous les méchants qui sont là. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2020? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir? Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain, je ne suis pas là pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime. Ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exact. Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, Guy Parfait Songhai. Désolé mon général, désolé. Vraiment, la claque là, désolé mon général. Vraiment, on va laisser la Bible et tout ça. On va parler de la science, c'est mieux. Vraiment, j'aimerais profiter de la vidéo comme ça pour attirer, pour sensibiliser sur le cancer du sein précisément. Et puis, voilà, on vous donne les conseils. Voilà les conseils, je ne suis pas médecin. Conseil. Donne-le les conseils là, mais donne-le les conseils. Tu fais l'hypocrisie, c'est que un coup balopo. Surtout, c'est le travail des hommes. Hein. Je lance un appel aux hommes. Voilà, parce que le cancer du sein fait des ravages. Donc, je demande aux hommes, je les exhorte à sucer les seins de leurs femmes deux fois par jour. Ok, la main, non, on a compris. Mais j'ai aussi appris qu'il y avait le cancer de la prostate aussi. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Bye bye.